Coucou. Alors hier, j'avais fait un essai, j'ai fait une vidéo en vous disant que j'essayais mon nouveau micro, sauf que en faisant mes essais juste après, je me disais mais c'est pas possible, ça marche pas. Mais en fait, voilà, j'avais mal branché, donc là, ça devrait être le son devrait être mieux. Normalement, tout est bon. On verra bien, on verra bien. Du coup, on va regarder un petit peu les énergies de la semaine et je vais encore utiliser, bon, je vais utiliser l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, mais je vais encore utiliser l'oracle de Noël puisque, allez, on est encore dans les fêtes, hein. Noël, c'était hier, donc on va continuer avec cet oracle avant que je le range. Alors, je ne sais pas si je l'utiliserai encore dans la semaine, on verra. En tous les cas, on va l'utiliser aujourd'hui, peut-être pour la dernière fois cette année. Mais voilà, allez, comme on est encore dans les énergies, c'est OK. Donc on va voir cette semaine. Allez, dans quelle énergie on va se mettre dans cette semaine du 26 décembre 2022, donc cette dernière semaine de l'année, qu'est-ce que ça nous dit? Avec cet oracle, qu'est-ce que ça nous dit? Soit au service. Soit au service, voilà. Les choses sont claires, donc ça va, vous pouvez la voir la carte. Donc c'est parfait. Alors soit au service, ça nous dit vraiment. Alors c'est pas de vous dire d'aller vous mettre au service de tout le monde et de faire tout ce que les gens veulent. Mais on voit vraiment que finalement, c'est un peu ce côté générosité, un peu ce côté de faire les choses avec le cœur tout au long de la semaine, de lâcher les attentes, de vraiment d'apporter du soutien aux gens qui en ont besoin, d'avoir plus de simplicité dans sa vie, de mettre en tous les cas plus de simplicité dans sa vie. Et là, on voit vraiment que finalement, la vie vous invite à vous mettre au service d'une conscience plus grande que vous, en fait, et à un moment donné, de suivre votre cœur, d'aller vers les valeurs qu'il y a dans votre cœur. En fait, c'est vraiment ce côté de donner finalement de vous-même avec générosité pour pouvoir vous remplir. Donc, ce n'est pas dans le sens de s'épuiser à faire ce que les autres veulent, mais c'est d'agir en fait avec son cœur, d'aller faire du bien autour de soi parce qu'on a envie, parce qu'on a le cœur grand, parce qu'on a le cœur ouvert. Et je pense que vous êtes dans ces énergies vraiment là, d'avoir envie de donner sans vous oublier, sans nier vos besoins, en fait, vous en êtes là. C'est finalement vous respecter, mais vous voulez aussi donner aux autres. Il y a un espèce d'équilibre pour moi qui se fait pour vous cette semaine. Donc c'est vraiment chouette parce que finalement, c'est un peu ces énergies, même si c'est pas toujours évident les fêtes, mais c'est un peu ce côté, j'aurais envie de dire, de la magie de Noël où finalement il y a du partage, il y a de la connexion qui est là et on a envie de faire le bien autour de soi. Donc ce sont de très très belles énergies. On va voir avec l'oracle de Noël ce que ça nous dit pour cette semaine. Les fleurs, le conditionnement et on en voudrait deux autres. Les petites attentions, alors vous n'allez pas les voir, mais je vais mettre ma caméra différemment. Et il y en a encore une. Alors je vais pas faire un gros gros tirage parce que je viens de quasiment finir mes tirages de 2023, les tirages perso que j'avais à faire. Il m'en reste plus qu'un. Et donc là, voilà, je vais fermer le bureau après ce tirage, mais je voulais quand même voir les quelques cartes pour cette semaine. Voilà tout. Et en même temps, rebrancher mon micro. Alors, que je vous montre. Voilà. Du coup, cette semaine, on a la carte des fleurs qui ressort. C'est un peu ce côté où alors j'aurais envie de vous dire, offrez-vous des fleurs, mais c'est par rapport au un petit peu ce qu'on pouvait parler de la magie des fleurs, les énergies en fait qu'elles peuvent
qu'elles peuvent diffuser, c'est toujours en fait les fleurs comme... En plus, là, j'ai les petites attentions, c'est un petit peu ce côté où... quand on reçoit des fleurs, c'est quelque chose qui nous touche en plein cœur. Et en plus de ça, certaines fleurs ont des vertus. Il y a vraiment des choses qui... voilà, il y a certaines fleurs qui peuvent soigner la tristesse, qui peuvent favoriser la guérison de certains maux du corps ou de l'âme. Elles peuvent augmenter juste aussi la vibration d'une pièce. Il y a vraiment cette idée d'énergie plus pure, plus ressourçante, plus apaisante. Et finalement, c'est un peu ce côté où il y a besoin d'aller chercher son bien-être physique, son bien-être émotionnel, son bien-être mental. On a besoin de ça, parce que peut-être qu'il y a des émotions. C'est vrai que les fêtes sont, je dis toujours, hein, c'est pas forcément, il y a de la magie, il y a machin, mais il y a souvent de la nostalgie, il y a souvent des choses qui remontent, il peut y avoir des conflits aussi, c'est pas toujours évident de gérer les choses. Et du coup, il y a peut-être des choses qui remontent un petit peu pour vous, et vous avez besoin, on voit que cette semaine, vous avez besoin de vous ressourcer. Clairement, moi, cette carte, pour moi, ça me dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre de nouvelles habitudes, parce que finalement, il y a peut-être, vous avez peut-être été conditionné à certaines choses. Vous savez, on le ressent au niveau des fêtes. Il y a des fois, on va à des repas, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais ben, voilà, c'est la famille où on a une espèce de conditionnement qui est là, donc on ne veut pas modifier les choses, parce que chaque année, ça a toujours été pareil, et donc on ne change rien. Ça a été... Le repas est à tel endroit, donc on va pas le bouger, tout est comme ça, mais c'est pas forcément ce qui nous apporte le bonheur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ressort là pour vous. On vous dit, ben, en fait, il y a besoin de changer les choses. Il y a peut-être des choses qui reviennent sans cesse. Et là, en fait, les mêmes émotions, les mêmes choses qui ressortent, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de changer les habitudes, il y a besoin de faire différemment et de s'octroyer en fait des petites attentions cette semaine, parce qu'on a besoin de retrouver du bonheur et d'accueillir en fait de la nouveauté, d'accueillir plein de jolies choses. Donc moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une espèce de nostalgie, de schéma répétitif lié à certainement hein, au schéma ou de la société ou de la famille qui est là. Et on voit finalement que vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'accueillir les petits bonheurs en fait de la vie pour vraiment vous ressourcer, vous régénérer et vous sentir bien. Donc ça passe aussi par, comme je vous disais, ce côté de partager avec les autres, mais c'est d'être au service de plus grand que soi, mais c'est aussi, c'est pas forcément le partage comme on peut avoir l'habitude de le faire avec les mêmes personnes, c'est peut-être aller chercher encore plus loin, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous pourrait vous faire du bien. Et en fait, je pense que vous en êtes là. Donc on est sur une semaine, je vais pas dire de réflexion, mais où on a besoin de se faire du bien en changeant certaines habitudes et en accueillant de nouvelles choses. Au lieu de faire quelque chose de répétitif, c'est que là, vous allez aller chercher les petites attentions, les petites choses qui vous font du bien au travers des autres, au travers de vous-même, pour pouvoir vraiment finalement sortir un peu de ces conditionnements ou du moins de ce que vous avez pu vivre là peut-être ces derniers temps. Et je pense que voilà, pour certains, il y a quelque chose qui est très routinier parce que c'est comme ça, mais c'est pas forcément ce qui vient vous faire du bien. Je voudrais vraiment une dernière carte pour voir cette finalité de ce, enfin, la synthèse de cette semaine en fait. Le projet. Voilà. Le projet. Ben, peut-être que pour certains, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous sortez des conditionnements et que vous avez envie d'avoir de nouvelles choses. Vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet. Vous avez peut-être besoin en tous les cas, d'avancer vers vos objectifs. Vous avez je pense des projets en tête, peut-être pour 2023, où vous vous dites, bon bah ok, voilà, là ça se termine, on y est vraiment, on est sur la dernière semaine, donc finalement vous pensez à ce que vous allez faire en 2023, peut-être que vous avez déjà commencé un projet, mais vraiment on est sur cette notion de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui compte énormément pour vous, et vous voulez vraiment atteindre votre but. Et il y a vraiment cette idée de vous êtes déterminé finalement à 2023 à suivre votre cœur, à suivre vos envies. Donc là, je pense que vous vous ressourcez vraiment, vous allez chercher les petits bonheurs pour pouvoir accueillir 2023 pleinement et aller vers vos projets. Donc c'est vraiment ce côté où
vous n'avez pas envie de douter, vous n'avez pas envie que le stress s'accapare de vous parce que vous voulez vraiment en fait avancer étape par étape, mais avancer. Et donc là, je pense que vous êtes aussi en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir avancer progressivement pour pouvoir aller vraiment vers votre projet et réajuster quand il y a besoin de réajuster les choses. Donc vous, vous octroyez ce temps aux petites attentions pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par tout ce qui a pu être ces derniers temps. Pour certains, je pense que ça a pu être compliqué, les fêtes et toutes ces énergies qui sont là. Là, vous avez envie d'accueillir la nouvelle année et du coup, vous réfléchissez à vos projets, à ce que vous avez pu entamer et du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par la suite pour pouvoir réajuster vraiment ce qu'il faut et sortir vraiment des conditionnements pour aller vers vos buts, vers votre objectif. Donc là, vous avez vraiment, vous gardez vraiment en tête votre objectif, vous essayez de voir le chemin à prendre pour pouvoir l'atteindre plus facilement et vous avez vraiment envie de franchir les étapes. Voilà, donc je pense que voilà, vous avez été un peu dans une espèce enfin, de routine, de schéma, parce que ben, c'est comme ça, il y a des choses auxquelles on a l'impression qu'on ne peut pas couper, et c'est comme ça. Mais là, vous voulez accueillir le nouveau, et donc je pense que vous êtes déjà en train de penser à 2023. Donc je pense que voilà, les fêtes, on laisse de côté, on veut se couper de toutes les croyances qu'on a pu nous mettre dans la tête, et on a envie vraiment de se sentir bien et de ne pas se laisser submerger par le stress pour pouvoir vraiment aller au cœur de ses projets, de ses objectifs en 2023 et démarrer l'année sous de bons augures, je dirais. Voilà pour cette semaine. Donc je vous disais, c'est vraiment un petit tirage court, mais au moins ça permet d'avoir déjà une petite idée, quoi. Et voilà. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très très vite.